moi c'est Mila. Et mon animal magique Morphelle peut se transformer en tout ce que je veux. Tu ne m'attraperas jamais. Orphelle joue aussi. Mila, Morphelle, par ici. Oh, c'est papa. Vous avez joué tout l'après-midi. Alors j'ai pensé que vous aviez besoin d'un rafraîchissement. De la glace. Merci, papa. On ne joue plus au chat? Non, Orphelle. D'abord, nous allons faire une pause. Tiens, prends une glace. Oh, Orphelle. Salut, moi c'est Mila. Et mon animal magique Morphelle peut se transformer en tout ce que je veux. Les bonbons d'Halloween des animaux magiques.
n'avez pas encore fini. Presque. Wow. On dirait qu'on va encore gagner le concours de la maison la plus halloweenesque cette année, hein, Barky? J'adore me déguiser pour Halloween. Qu'est-ce que tu vas être, Morphel? Un lapin, c'est mignon. Peut-être qu'il faudrait que tu trouves plus effrayant. Aider papa à décorer. Oh, Morphel veut des bonbons. Pas trop, Morphel, ou tu vas perdre tes pouvoirs de transformation pour un moment. Oh, Morphel a peur. Parfois, le noir semble effrayant, mais il n'y a rien à craindre. Regarde, un peu de lumière pour se sentir mieux. Bonbon Wassor. Nous n'avons pas encore de bonbons, alors on ne peut pas t'en donner. Pas de bonbons? Farce! Mila! Je suis ici! Un bonbon? Un sort! Morphel, transforme-toi en T-Rex pour l'effrayer! On est vraiment les meilleurs bandits d'Halloween. Et il n'y a rien de plus effrayant que de voler les décorations des autres. Avec toutes ces décorations effrayantes, on est sûr de gagner le prix de la maison la plus halloweenesque. Oh, qui c'est, papa? Voici Candiré. Je crois qu'elle t'aime bien. C'est aussi un animal de compagnie magique? Oui. Elle va rester avec nous jusqu'à ce que nous lui trouvions une nouvelle maison. Oh, j'ai failli oublier. Ne dites pas le mot « bonbon » près de Candiré. Pourquoi, papa? Si jamais elle vous entend dire ça à Halloween, elle transformera tout ce qu'elle regarde en bonbon. Ouais, Morphel aime les bonbons. Ça a l'air amusant. Oui, mais pas si elle vous transforme en bonbon. Nous ne le dirons pas. Je vais finir d'accrocher les lanternes et après vous pourrez m'aider avec les autres décorations. Bonjour, Candiré. Je m'appelle Mila et voici mon animal magique, Morphel. Morphel a faim. Que dirais-tu d'une pomme juteuse? Des bonbons ou un sort? Pomme d'amour! Morphel, qu'est-ce que tu as fait? Morphel a dit bonbon! Oh non! Mince, nos décorations d'Halloween ont disparu. Hein? Elles étaient là, mais elles ne le sont plus.
Eh bien, nous ne gagnerons pas le concours de la maison la plus halloweenesque cette année. Ne t'inquiète pas, papa. J'ai une idée. On va t'en trouver d'autres. Morphle, aide papa. Nous avons besoin de... de citrouilles. Où est-ce qu'elle pousse? À la ferme. Peut-être que le fermier Philippe peut nous en donner. Nous avons besoin de quelque chose de rapide. Morphle, transforme-toi en voiture de course. J'ai attendu toute la journée pour faire peur à quelqu'un avec mon costume d'épouvantail. C'est génial, Philippe. Tu nous as vraiment eus. Ouais. Halloween est ma fête préférée. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Tu as des citrouilles? Bien sûr. Au champ des citrouilles, j'en ai encore plein. Des citrouilles! Vous devez passer par le labyrinthe de maïs pour y arriver. Je vais vous montrer le chemin. Transformer mon labyrinthe de maïs en un labyrinthe de maïs de bonbons? Incroyable! Alors, quel est le mot? Morphle peut pas dire. Miam, 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 miam. Oui.
Ces citrouilles seront vraiment superbes avec toutes les décorations qu'on a volées. Et je suis sûr que maintenant, nous allons gagner le concours d'Halloween. Les bandits volent toutes les citrouilles. Morphel, transforme-toi en hélicoptère. Et hop, allons attraper les bandits. Hein? Gélatine, Stan. Toi aussi, tu l'es, ours Yann. À l'aide! Je peux pas piloter avec ces pattes en gélatine. Pas un geste. Vous êtes en état d'arrestation pour déversement inconsidéré de citrouilles. Oh, nous n'arriverons jamais à sortir de la prison à temps pour le concours de la plus belle maison d'Halloween. Vous allez directement en prison. Hein? Les citrouilles ont toutes disparu. Morphel n'aide pas papa. Peut-être qu'Agnès peut nous montrer comment faire des décorations. Elle est la meilleure pour faire du bricolage. Hourra, Agnès! Morphel, transforme-toi en voiture de course pour aller encore plus vite. Regarde ce que tu as fait. On ne gagnera jamais. Ah.
Morphel. Et qui est-ce? L'animal de compagnie magique, qu'on dirait. Oh, trop chou. Bonjour, qu'on dirait. Est-ce que tu sais comment faire des décorations d'Halloween? Bien sûr, je peux vous montrer comment faire. Suivez-moi. J'ai mis toutes mes fournitures au sous-sol. Le sous-sol fait peur. Oh! Achou! Le sous-sol est noir. La lumière fait que Morphel se sent mieux. Je crois qu'elles sont là-dedans. Peut-être par ici. La troisième fois est la bonne. Trouvé. Alors, tu plies du papier comme ceci. Puis tu le coupes comme ceci pour les yeux. Et comme ça pour une citrouille. Et comme ça pour une citrouille triste. Waouh. Est-ce qu'on en a assez? Oui, il reste encore du temps pour jouer à un bonbon Wesa. Oups, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'on dirait t'as transformé en une sirène en gélatine avec ses pouvoirs magiques. Oh non, mon Dieu. Nous devons le dire à papa, il saura ce qu'il faut faire. Je sens déjà l'odeur de la victoire. On arrive juste à temps. Papa, on a fait des décorations. C'est super. Et tu as retrouvé qu'on dirait. Je sais que tu m'as dit de ne pas dire le mot spécial, mais je l'ai fait. Et maintenant, après les tunes. Sirène en gélatine. Oh là là. Oui, tu l'es, c'est sûr. Morphel l'a dit aussi. C'est bien de le reconnaître. C'est important que vous en ayez parlé à un adulte avant que les choses n'empirent. Désolée, Agnès, c'est de ma faute. C'est pas grave, elle redeviendra normale à minuit. Les pouvoirs de Candiré s'arrêtent à ce moment-là. Yes, c'est le costume d'Halloween le plus cool du monde. Je peux rebondir jusqu'à minuit. Allez, allons accrocher vos belles décorations d'Halloween avant que le concours ne se termine. Oui! Mais, hein? Hé! Hey, rends-moi ça! C'est que ça, Barky. Ah, des ordures. Oh non. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai une idée. Venez ici, tout le monde. Un bonbon oui, farce. J'ai faim. Allons voler des bonbons. Vous êtes là. Arrêtez-vous, bandit. Je vous arrête. Et donc,
Le grand gagnant du concours de la maison la plus halloweenesque de cette année est... Wow! Et c'est avec un immense plaisir que je vous remets ce prix pour la maison la plus halloweenesque. Wow. Incroyable. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Remarquable. Je n'aurais jamais pu faire tout ça sans vous. Home sweet home. Bonjour, monsieur le marchand de glace. De glace, s'il vous plaît. Bien sûr, Mila. Quel parfum voulez-vous? Eh bien, quel est le meilleur parfum? Le meilleur parfum? J'ai bien peur que nous ne l'ayons pas. Vous voyez, le meilleur parfum a été créé par mon grand-père. Il avait l'habitude de voyager dans le monde entier pour collecter un ingrédient vraiment très spécial. Une fleur au parfum si doux qu'elle donnait à la glace. Un goût incroyable que vous n'aviez jamais goûté auparavant. Oh, on peut trouver cette fleur pour vous? Où pouvons-nous la trouver? C'est justement la partie très difficile. Chaque année, elle pousse à un endroit différent. Mais mon grand-père a laissé ses notes. Peut-être pourrait-elle vous aider dans vos recherches. On dirait que nous avons des voyages à faire, Marfel. Transforme-toi en hélicoptère. Alors, ces notes nous indiquent la jungle, Marfel. Alors, allons-y. Utilisons ton nez, Morphel. Transforme-toi en chien de recherche. Ouf, Mila! Super! Allons voir ça. Oh, c'est juste des baies. Une sorte de sucre. Oh! Continuons à chercher. Je ne suis pas sûre que la fleur soit dans la jungle, Morphel. Oh! Je la sens aussi, Morphel. Ça ne sera plus très long maintenant. Ouais, crème glacée. Et voilà le meilleur parfum. Wow, c'est vraiment délicieux. Wow, crème glacée. Encore? Je suis désolé, Marfel, mais c'est toute la crème glacée que je pouvais faire. Tu peux peut-être lécher la cuillère. Tu fais.
raconte si bien les histoires. Papa, qui fait disparaître tous les bobos. Papa, qui peut réparer tous mes jouets. Papa, papa est le meilleur, crions-lui. Mila et Murphle, dites, est-ce que vous savez qui a fait ce trou? Non, mais on essaie de le découvrir aussi. Ah bah tant mieux, parce qu'ils ont aussi pris mes matériaux de construction. On va garder un œil sur eux. Allez, allons-y Murphle. Oh, Mila! Quelqu'un a creusé ce trou et a pris toute la nourriture pour les animaux magiques. Oh mon Dieu! Nous devons trouver rapidement cette personne, Murphle. Regarde, Murphle, c'est Earthshark. Nous ne sommes pas en colère. Tu as seulement pris ces choses pour construire une maison pour ta famille. Oh, c'est trop mignon. Murphle, aidons-les à construire une grande maison. Transforme-toi en grue. Besoin d'un petit coup de main supplémentaire? Maison. Mais la prochaine fois, s'il te plaît, demande-nous si tu as besoin d'aide. Et maintenant, je crois que nous avons des trous à reboucher. J'ai
l'impression qu'il veut nous aider. Super! Alors nous aurons fini en un rien de temps. Ok, c'était le dernier trou. Merci pour toute l'aide et bonne chance avec ta nouvelle maison. Bye bye. Bonjour, Mila et Murphle. Vous avez reçu un appel. Oh, qui est-ce? Hé, hey, Mila et Murphle, c'est moi. Les marchands de glace? C'est moi, les marchands de glace. J'ai trouvé un nouveau parfum de glace délicieux. Mais je suis à l'autre bout du monde. Et il n'en reste qu'un tout petit peu. Oh non! N'inquiétez pas, monsieur le marchand de glace. Nous viendrons à vous. Oh, c'est Orfel. Si jamais il arrive le premier au marchand de glace, il risque de manger toutes les glaces. Non! Ce ne serait pas un autre Murphle? Ah, comment vais-je attraper des criminels sans ma voiture de police? Nous devons aider l'officier Freeze à récupérer sa voiture de police, Murphle. Ah, merci, Mila et Murphle. Hein? C'est qui est le plus rapide sur l'eau? Mais moi, oui! Transforme-toi en hors-bord! Bye-bye! Orfel? Oh non! C'est Orfel! Orfel! On dirait qu'Orfel est arrivé le premier! Marteau a mangé toutes mes délicieuses glaces! Oh non! Nous arrivons trop tard, Orfel! Ne vous inquiétez pas, j'ai seulement fait comme s'il avait mangé toute la glace pour qu'il s'en aille. Il y a encore assez de délicieuses glaces pour toi, toi, monsieur le singe. Il y en a même encore pour moi.
monsieur le marchand de glace. Regarde ça, Yann. Tout le monde est si heureux la veille de Noël. On va probablement encore avoir du charbon cette année. Attends une minute. Nous avons toujours du charbon pour Noël parce que nous agissons comme des méchants. Alors? Et alors? Alors, soyons de gentils garçons. Juste pour aujourd'hui. Comme ça, le Père Noël devra nous donner des cadeaux, non? Oh, tu veux dire que nous aurons des cadeaux cette année si nous agissons gentiment? Oui, Yann, oui. Allez, commençons. Joyeux Noël! Mila et Morphle, essayez de ne pas trop effrayer les gens. Bondi, qu'est-ce que vous faites? C'est Noël? Nous sommes les gentils bandits. Parce que seules les gentilles personnes reçoivent des cadeaux pour Noël. Au lieu de seulement du charbon. Quelle bonne idée! Nous allons vous aider. Oh, eh bien, n'est-ce pas un miracle de Noël? Merci beaucoup d'avoir aidé avec l'arbre de Noël, cher bandit. Bien, maintenant il faut que je m'en aille. Merci encore, bandit. Non, merci à vous, monsieur le maire. Oh, l'arbre, il est magnifique. Vous avez fait du bon travail, les bandits. Merci. On peut vous aider à quelque chose? Ah, ben oui, je pourrais avoir besoin d'aide pour livrer ces sucres d'orge. Oh, ben oui, on peut faire ça. Bien sûr. Et un peu pour notre travail. Oh, délicieux, Stan. J'ai entendu dire que le Père Noël est au grand arbre de Noël en train de distribuer des cadeaux. Oh, allons-y, Stan. Merci, Père Noël. Joyeux Noël, Sarah. Oh, Père Noël, Père Noël, maintenant, nous sommes des gentils bandits. Ya, avez-vous des cadeaux pour nous? Bien sûr. Voilà pour les bandits. Ça doit être une erreur. Nous avons été de gentils bandits pour ce Noël. En êtes-vous vraiment certain? Les gens bien ne volent pas de choses. Oh non! Ah, allez, on a vraiment essayé. Nous voulions vraiment avoir des cadeaux cette année. Oui, pas encore du charbon. S'il vous plaît, nous ferons n'importe quoi. N'importe quoi? D'accord. Si vous rendez tous les cadeaux que vous avez volés, vous aurez un cadeau de Morphel et moi. Vraiment? D'accord. Puisque vous avez tout rapporté, vous pouvez avoir nos cannes à sucre en cadeau. Oh, c'est la première fois que nous avons des cadeaux pour Noël. N'est-ce pas mignon? Eh bien,
c'est mieux que le charbon. Joyeux Noël, Yann. Joyeux Noël, Stan. Oui. Halloween, c'est super! J'ai fait tomber par accident ce rayon de vie que j'allais présenter à la Conférence nationale des sciences. Et cela a donné vie à tes jouets dinosaures. Oh, mais il est cassé. Et je ne peux plus inverser l'effet maintenant. Oh. Mila, peux-tu t'occuper d'eux le temps que je répare mon rayon de vie? Bien sûr, professeur Rachid. Je suis sûre que nous allons bien nous amuser ensemble. Super, je fais aussi vite que possible. Pendant que nous attendons le retour du professeur, jouons un jeu. Thank you.
paquet. Oui, bien. Oh, oh, faim. Oui, nous devrions aller chercher quelque chose à manger. Oh, je sais. Faisons un pique-nique. Yeah. 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 Ah, et voilà. Ça m'a pris plus longtemps que prévu, mais maintenant, c'est réparé. Retournons voir les jouets dinosaures tout de suite. J'espère que rien de fâcheux n'est arrivé pendant mon absence. Oh. Oh, nom d'une éprouvette! Bonjour, professeur. Voulez-vous vous joindre à nous pour le pique-nique? Nous nous amusons beaucoup. Merci, Mila, mais je crois qu'il est temps de transformer à nouveau les dinosaures en jouets. Prêt? Oh! Professeur Rachid, je ne pense pas que les jouets dinosaures veuillent redevenir des jouets. Ils s'amusent beaucoup plus en étant des dinosaures vivants. Oui, Mila, mais la ville n'est pas un endroit pour les dinosaures. Oh, j'ai une bonne idée. Peut-être que le gardien du zoo Kenneth aura un endroit pour eux. Qu'est-ce que... C'est... Des jouets dinosaures géants? Oui. Professeur Rachid les a accidentellement transformés en vrais dinosaures avec son rayon de vie. Auriez-vous un endroit pour que les jouets dinosaures puissent vivre, gardien Kenneth? Eh bien, le zoo n'a qu'un seul endroit pour les grands animaux. Et les éléphants y vivent déjà. Ah, mais... Durant mes voyages... Je crois avoir découvert une île inhabitée où les jouets dinosaures pourraient vivre. Allons-y tout de suite, Morphel. La voilà! Vous avez déjà l'air de vous amuser? Chez nous. Au revoir, jouets dinosaures. Au revoir. Es-tu prête à venir avec nous demander des friandises pour Halloween et Mimi? Eh bien, si tu veux que je te donne des bonbons, tu ferais mieux de me montrer ton meilleur tour. C'est tout. Réessaye l'année prochaine. Je suis sûre que la prochaine maison est un peu plus conviviale. C'était un joli tour de magie, finalement. Vous, vous allez m'aider à gâcher Halloween. Thank you.
ce que ça veut dire. Oh mais qu'est-ce que... Chauve-souris que tu as ramené à la vie, Mimi. Ne t'inquiète pas, on va les attraper. Tu pourras les retransformer. Marfel, transforme-toi en avion. Prenons Mimi et rapprochons-la le plus possible des chauves-souris. Revenez ici! Je ne vais pas vous laisser éteindre toutes les lumières de la ville! C'est la citrouille! Marfel, transforme-toi en tigre et attrape-la! Quelle belle lanterne! Elle sera magnifique avec les autres. Il ne reste plus que le squelette. Marfel, transforme-toi en hélicoptère. Là-bas, Marfel. Si méchamment. Parce que je leur ai dit, c'est tellement amusant. À partir de maintenant, je vais essayer de gâcher l'Halloween chaque année. C'est tellement méchant. Oui, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire pour m'arrêter, hein? J'ai été si occupé avec mes inventions que j'ai complètement oublié que c'est bientôt Halloween. Oh, je suis trop en retard pour acheter des décorations d'Halloween. C'est fini. Vendu, vendu, vendu. Oh. Attends une minute, ça a l'air pas mal du tout. De véritables sarcophages de chauves-souris égyptiennes effrayantes peuvent être livrés immédiatement. Commandons. Eh bien, voilà ce que j'appelle un service rapide. Non, attendez, revenez. Merci beaucoup et passez une bonne soirée. C'est ça, ne bouge pas. Oh. Professeur Rachid, vous avez besoin d'aide? Mila, Marfel, oh, ce serait merveilleux. Peux-tu l'attraper, Marfel? Oh.
ramenons-la au laboratoire. Et voilà, de retour à ta place. Allô? Hein? Il y a quelqu'un? Je ne trouve pas d'interrupteur. Monsieur le maire, qu'est-ce que vous faites ici? Je ne sais pas. La dernière chose dont je me souvienne, c'est d'une grosse chauve-souris et d'une lumière vive. Oh mon Dieu! Le dieu chauve-souris vous a transformé en chauve-souris. Le dieu chauve-souris? Eh bien, vous voyez, j'ai commandé ce sarcophage du dieu chauve-souris en ligne. Et je commence à penser qu'il pourrait être maudit. Alors nous devons trouver ce dieu chauve-souris le plus vite possible. Aucune d'entre elles n'est le dieu chauve-souris. Où pourrait-il être? Oh non! Marcel, va attraper le dieu chauve-souris pendant que j'attrape le professeur. Le rubis. Vous ne pensez pas qu'il pourrait être dangereux de lui rendre le rubis? Eh bien, il y a un remboursement possible dans les 30 jours. Mais il doit être complet. Ouf, j'ai besoin de respirer. Ouf. Tu ne pourras jamais nous attraper, Marcel et moi. Ah. Oui, c'est vrai. Oh là là, je ne peux plus suivre ces enfants. Enfin, l'un de moi ne peut pas. Mais je parie que d'autres moi le pourraient. Salut, papa. Hey! Maintenant que je me suis reposé un peu, je me sens beaucoup plus rapide. Et si on faisait une petite course jusqu'à la place du village? Vraiment? Bien sûr! Marcel, transforme-toi en voiture de course! Personne n'est plus rapide que Marcel! Pauvre papa! Non, vous n'avez pas gagné. Je suis arrivé depuis un bon moment. Quoi? Comment as-tu fait ça? Je me sens beaucoup plus rapide. Pourquoi ne pas réessayer? Faisons la course jusqu'à l'arbre le plus haut à côté de la ville. Ouais! Mais c'est si loin! Tu ne veux plus faire la course avec moi? Si je veux! Ok, on y va! Vous êtes arrivé? Super! Vous avez été plus rapide que je ne le pensais. Comment c'est possible?
possible. Faisons une course jusqu'au sommet de cet arbre. Ouais. Ça ne peut pas être réel. Est-ce qu'on rêve, Morphel? Morphel, je sais pas. Faisons une dernière course pour rentrer à la maison. Je suis un peu fatigué. Nous devons gagner cette course, Morphel. Yeah! À vos marques, prêts, partez! Morphel, transforme-toi en fusée! Nous devons aller plus vite, Morphel! Morphel, essaye! Morphel, trop fatigué! Oh, je suis désolée, Morphel! Tu vas bien? Oui! Eh bien, qu'est-ce que nous avons ici? Morphel est trop fatigué pour nous arrêter, Stan. Roule-moi! Oh non, je ne pensais pas. Bye bye! Qu'est-ce que vous croyez faire? Oh! Quoi? Quoi? Oh! Qu'est-ce qui se passe? Rendez-le-moi. Bien sûr. Nous ne faisions que plaisanter. Merci, papa. Mais il y a vraiment trop de toi. Je voulais vous faire une petite farce. Et Doubleur m'a un peu aidé en me doublant 5 fois. J'ai fini par vous rattraper. Vous étiez tellement rapide. Le zoo est vraiment passionnant. Mais j'ai besoin d'une pause. Pourquoi n'iriez-vous pas jouer au ballon? Reposez. Continuons. Ouais. Ok, papa. Qu'est-ce que tu fais à courir dans le zoo? Les animaux, revenez! La ville est dangereuse! Qu'est-ce qui ne va pas, gardien de zoo, Kenneth? 4 des animaux se sont enfuis dans la ville, en jouant avec une balle. Oups! Ne t'inquiète pas, on va s'assurer que les animaux reviennent. Morphel, transforme-toi en voiture de course! Je ne savais pas qu'il y avait une parade. Arrêtez-vous, les animaux! Animaux, s'arrête pas! Ils pensent que c'est un jeu, mais je parie qu'ils peuvent s'arrêter si on leur prend la balle. Morphel, prend balle! Mais qu'est-ce qui se passe? Ah! Désolé, monsieur Vanderbouze. Mila et Morphel, j'aurais dû m'en douter. C'est notre chance. Transforme-toi en fusée.
arrêter de jouer, les animaux. Vous ne pouvez pas jouer n'importe où. Mais par contre, vous pouvez jouer à la balle dans un endroit sécurisé. Oh, vous êtes là. Avez-vous arrêté les animaux? Nous ne pouvions pas les empêcher de jouer avec la balle, mais nous les avons mis en sécurité. Oh, c'est génial! Merci, Mila et Murfel. Étudier les dinosaures. Ouais. Frère Time, pourrais-tu nous faire un zoom sur l'âge des dinosaures? Tu veux les voir ?